C'était le 4 septembre 1944. Il y a 70 ans, jour pour jour, la brigade Piron faisait son entrée dans Bruxelles. Un jour historique pour les Bruxellois, car bien que formés en Angleterre, les hommes de la brigade Piron étaient tous belges ou luxembourgeois. 70 ans, c'était hier. Et en ce jour anniversaire, les vétérans de la brigade Piron se souviennent de ce jour historique. Nous étions jeunes, hein. On avait 17 ans, 18 ans. Pour nous, c'était extraordinaire, évidemment. Il faut se remettre à cette époque-là. Et pendant le dernier trimestre de 1944, il y a 55 000 garçons qui se sont engagés. Et ça, c'est énorme. Débarquée en Normandie, la brigade Piron a participé à la libération de plusieurs communes de France. Dans le pays d'Auge, on rend hommage chaque année aux combattants belges. Plusieurs maires de la région ont d'ailleurs fait le déplacement aujourd'hui pour la cérémonie. Ils ont libéré toute la côte nord du pays d'Auge. Et les gens sont très, très, très fiers des Belges et des Luxembourgeois. Il ne faut pas les oublier, aussi les Luxembourgeois, ils étaient là aussi. Rendre hommage aux anciens, c'est aussi se souvenir du général Piron, décédé justement un 4 septembre, 30 ans après son entrée dans Bruxelles. Le général Piron est enterré au cimetière de Molenbeek, raison pour laquelle la commune rend hommage chaque année à la brigade. C'est un travail de citoyenneté, de se rappeler de ces moments importants, et c'est pour ça que les écoles communales sont représentées à l'occasion de cette cérémonie. Après les discours, les anciens ont été décorés par l'ambassadeur de France. L'Europe n'oubliera jamais ceux qui se sont battus contre le nazisme.